une décennie de préparation et un an de report à cause de la pandémie de Covid-19 pour aboutir à ces deux semaines de compétition. Ce dimanche, la flamme olympique a été éteinte dans le stade de Tokyo où elle avait été allumée 16 jours plus tôt. Et comme toutes les épreuves, cette cérémonie de clôture des 32e Jeux de l'ère moderne s'est tenue à Yukon et s'est en fait naturellement des sportifs et des journalistes. Le président du CIO, Thomas Barr, a remis le drapeau olympique à Anne Hidalgo, la maire de Paris, où auront lieu les prochains JO en 2024. Dans un temps, un coup de France a survolé à Capital pour marquer ce passage de témoin symbolique. Dans 3 ans, espérons-le, la pandémie sera peut-être derrière nous et la fête encore plus belle pour le retour des Jeux à Paris après un siècle d'absence. Les organisateurs de ces Jeux Olympiques vous diront que le simple fait de les organiser pendant une pandémie mondiale est une réussite en soi. Il n'y a pas eu d'épidémie majeure de cas positifs parmi les athlètes, bien qu'il y en ait toujours à Tokyo. Et pendant 2 semaines, le monde a réussi à se concentrer sur les prouesses sportives sur leurs écrans de télévision. Ici à Tokyo, cependant, ces Jeux laisseront une impression différente. Celle d'un événement financé par le peuple japonais qui n'a finalement pas été autorisé à entrer sur les sites et a raté une opportunité unique. Des records du monde ont été battus, mais devant des tribunes vides, et les gens ici ont regardé le Japon amasser 27 médailles d'or, ce qui leur dit non. Les Jeux paralympiques commencent ici à Tokyo dans 2 semaines, dans une atmosphère très similaire. Philip Crowder, Euro News, Tokyo. On a fait le tri du Tokyo qui termine la course du lac hongrois par la plus grand lac d'Europe centrale. C'était celui de la 39e édition de l'épreuve de compétition de nage en eau libre, l'équipe idéale, 24 degrés en eau et jusqu'à 30 degrés à l'extérieur de l'après-midi. La brasse, en 2h13, je suis assez content. Le nageur le plus rapide s'appelle Attila Dom et il a parcouru les 5 km de 200 en 1h24 secondes, alors que chez les dames, André Attila.